Mon amour, je sens que le marché là s'est bien passé aujourd'hui. Tu as tout vendu. On peut dire ça, parlant de ça, avec le panier sur la main. Prends d'abord l'assiette, tu t'assois. D'abord, yes. Oui. Que tout s'est bien passé au marché. Je suis d'abord fière. Ah ouais, ouais. Hey. Tu travailles sur quoi cette fois-ci? Tu vois ça? Dès que je livre ce projet, on aura l'argent. Et tu sais ce que je vais faire? Non. Je vais nous acheter une belle voiture. Une belle neuve. Anti, pour une fois, tu réfléchis comme un homme. Et c'est une bonne idée, puisque vraiment j'en ai besoin. Une voiture, elle va nous aider. Et je serai toujours à la cabine. Ta mère sera derrière. Et ma voiture, c'est ta voiture. Chérie. Voilà, la nôtre. Ah, vraiment, merci Seigneur, merci. Parce que l'argent de transport que dépense chaque jour pour transporter la marchandise du marché, on fout jusqu'ici, mais ça, c'est grave. Je dépense au fond. Donc, la voiture va me permettre de porter ma marchandise, les tomates, les condiments, le poisson, tout ça. Là, vraiment, mets ta tomate et conduis dans la voiture de qui? Ta voiture. Ma voiture. La nôtre, monsieur. Ce qui t'appartient, m'appartient, non? Tu veux mettre tes coyotes, tes conneries, tes machins, tu l'as pris ma voiture, tu as senti une voiture neuve? Une voiture neuve ne se lave pas. Qu'est-ce que tu veux dire comme ça? Tu vas continuer à payer le transport parce que je ne dois pas salir ta voiture. Qu'est-ce que tu t'entends même pas aller? C'est qui? Tu mets tes condiments dans la voiture de qui? Une voiture neuve. Et Anti, toi, je ne dois pas mettre ma marchandise dans ta voiture. Okay. Tu es sérieux? Attends un peu. Tu mets tes condiments dans ma voiture. Une voiture neuve. Oui. Je ne paierai plus le transport à Yaoundé. Je te le dis. Ça ne va pas dans ta tête? J'ai fumé avant de venir, non? Je ne vais plus payer le transport. Et... Bon. Okay. Je dis, hein, ne me tente pas. Tu me menaces pour la voiture. Tu mets tes choses là dans la voiture de qui? Je vais mettre... Dans ma voiture. Dans voiture. Une voiture je neuve. Je ne paye plus le transport à Yaoundé, monsieur. Je serai véhiculé. Ne me tente pas. Hein. Je serai véhiculé. Je dis que tu ne mets rien dans ma voiture. Tu bavardes toi. Je vois que tu bavardes tellement. C'est le jour que tu envoies démarrer. Parce que moi, je conduis. Tu envoies démarrer. Les conneries que tu fais, ma soeur, tu ne mets rien dans ma voiture. Rien. Je vais mettre. Il ne faut pas m'énerver. Calme-toi. Ne me touche pas. Tu as la brutalité avec qui? Pardon, attendez. Calmez-vous. Hein? C'est comment ça, qui? C'est elle qui veut mettre ses conduits, c'est madame ma voiture, une voiture neuve. Je dis tu ne mets rien dans ma voiture. Attends, vas-y. Je dis tu ne mets rien dans ma voiture. Vas-y, tu as acheté la voiture. C'était une nouvelle voiture. Non, mais si c'est pour une nouvelle voiture, hein. Le voisin a raison. Tu ne dois pas mettre les tomates, ça clingue. Tu ne dois pas mettre ça dans une voiture neuve. Voilà. Hein? Il a acheté la voiture, c'est une voiture neuve. C'est une voiture, monsieur. Je sais que c'est votre voiture, mais. Il a raison quand même, ah, voisin. Là-bas, là, c'est un petit souci. Tu sais que quand tu viens d'acheter une bonne voiture comme ça, là, il faut qu'on arrose d'abord. Et nous, on n'est pas chez Monsieur Kassé. Même les biens de Saint-Saint, ça, là, ça bénit, on bénit seulement ta voiture. C'est normal. On bénit même les biens de Saint-Saint, ça, nous, on n'est pas chez. C'est simple. Mon voisin, la voiture. Mon voisin, la voiture. Voisin. Il n'y a pas encore la voiture. Il n'y a pas la voiture comment? Vous discutez qu'on ne met pas les choses dans la voiture. Vous dites bien, il n'y a pas encore la voiture comment on va. On pense qu'on va voir la voiture. Attends. Donc, tous les problèmes, là, vous faites les problèmes, vous bagarrez pour une voiture qui est encore dans vos têtes. Quand on parle de sorcellerie, vous êtes les sorciers, attendez. Collez-vous encore comme vous êtes. Bagarrez pour une voiture qui est encore dans vos têtes. Jusqu'à je jubile même pour rien. C'est sorcier comme ça.
tu t'es demandé de m'envoyer 50 millions. Les histoires dont je me parle de 2 millions, je t'ai envoyé 2 millions l'autre jour, non. Envoie-moi 50 millions dans mon compte. Voilà les gens. Et sorcier. La voiture est dans vos têtes. N'importe quoi. Elle est le gars qui bavarde, c'est comme une femme.